Saviez-vous que la proportion de terres agricoles en Brabant-Wallon est la plus importante de Wallonie ? Pourtant, l'agriculture en province du Brabant-Wallon est souvent qualifiée de périurbaine de par sa situation proche de Bruxelles. On y constate, comme partout, l'agrandissement de la superficie moyenne des exploitations agricoles pour contrer la chute du revenu du travail par hectare. Une des solutions à la survie de nos fermes passe par la diversification des activités. On peut constater ces dernières années que l'agriculture en Brabant-Wallon a beaucoup souffert des différentes crises et elle a subi une érosion relativement très importante du nombre de ses agriculteurs qui ont diminué en moyenne de 25 à 30 exploitations par an, ce qui est relativement très important. En 40 ans, le nombre d'agriculteurs a été divisé par deux en Brabant-Wallon. Aujourd'hui, pour s'approvisionner à la ferme, le citoyen a le choix entre trois modes de consommation locale. Tout d'abord, de manière individuelle, il prend l'initiative de se rendre à la ferme pour effectuer ses achats. Grâce à la brochure « Ma ferme, ses saveurs et son accueil », éditée par la province du Brabant-Wallon, le consommateur dispose de toutes les coordonnées des producteurs de la province chez qui il peut se rendre. La diversification en agriculture ici au Brabant-Wallon est un marché de niche qui permet de rapprocher le consommateur du producteur dans toutes les richesses que le producteur agricole peut offrir au consommateur. Il peut par exemple effectuer des achats directement dans une boucherie à la ferme de laquelle proviennent les animaux dont sont vendus la viande et les charcuteries. En effet, les animaux sont transportés à l'abattoir d'où reviennent les carcasses qui seront transformées dans l'atelier de boucherie de la ferme. De même avec les produits laitiers. Dès la traite, le lait est transformé sur les lieux de l'exploitation, aménagé selon les normes d'hygiène et de production préconisées par l'AFSCA et les produits sont vendus directement au magasin de la ferme. Le consommateur peut aussi trouver certains produits locaux en grande surface. Le plus souvent, cette manière de commercialiser ses produits sous son propre nom est plus intéressante pour l'agriculteur qui obtient ainsi un prix juste et une meilleure diffusion. Dans ce contexte de crise économique, cette voie de valorisation des produits locaux garantit à la fois la qualité et la provenance des produits fournis ainsi qu'un prix juste pour l'agriculteur. D'autres consommateurs préfèrent s'inscrire dans une démarche collective en regroupant leurs commandes de produits. Deux systèmes d'achat groupé coexistent actuellement en Brabant-Wallon, les paniers malins et les GAC, qui signifient groupement d'achat commun. Paniers malins, ce sont 16 producteurs du canton de Jologne qui proposent leurs produits sur un site en ligne. Le client commande jusqu'au mardi avant 14h et vient chercher sa commande le vendredi en fin de journée, soit à Jologne, soit à Hélessine, et très prochainement, il pourra aussi se rendre à Incourt. Un groupe d'achat en commun, c'est un ensemble de personnes qui s'associent pour acheter leurs produits généralement alimentaires mais autres également directement auprès d'un producteur, donc en circuit court. Ce reportage vous a brossé un aperçu de l'offre de produits locaux fermiers disponibles en Brabant-Wallon. Ces nombreux commerces et services de proximité en ferme sont à la disposition des citoyens qui veulent s'inscrire dans une démarche de consommation équitable et durable et ainsi participer à la sauvegarde de leur patrimoine rural vivant. Toutes les informations utiles sont reprises dans la brochure « Ma ferme, ses saveurs et son accueil » disponible soit par téléchargement sur le site internet www.brabantwallon.be, soit sur simple demande auprès du CPAR dont les coordonnées s'affichent en bas de votre écran.